moment. Alors c'est pendant. Et ça n'est pas quoi? Ah, c'est votre maman va encore prendre la marque, ma mère est toujours là. Là, chauffeur, pour tout conduire, pour chauffeur, il y a un peu de temps. Chauffeur, il y a un peu de temps. 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 Il fait comment? Toi tu es entré là-bas? Ouais. Avec qui? Moi-même. C'est ok, au Potanayo, il y a 5 garçons dans la pilote, au Kouala, la pilote, on ne m'a pas même pas famille ça. Vous savez, allons-y, on essaie. La carte. La famille communiquera d'une manière officielle. D'accord. Parce que tout ce qu'on va vous dire pour le moment, ce sont des émotions. Ouais. Donc attendez dans les prochaines heures, ouais, quand la famille aura réuni toutes les infos, ouais, et on va les communiquer d'une manière officielle. Maintenant, ce qu'on peut demander seulement, c'est comme nous on fait aussi image, si vous pouvez permettre, parce que ça m'attend. On n'interroge personne, juste de montrer que Matin Guizali et puis on peut partir. Vous avez la caméra? Oui, avec le téléphone, c'est tout seul. Téléphone, allez le remplacer. Mais son monnaie, banning, balaxing à terre. Vous avez la médecine à terre. D'accord. Mais avec les... Oui. Bonjour. Mais fais les images, pourquoi tu veux seulement rentrer dans la vidéo? C'est pas trop professionnel. Mais le corps se trouve où présentement? Le corps se trouve où présentement? Pour le moment, donc, je n'ai pas de... Je ne suis pas...
Mais à la morgue, quelque part. Essaye d'avancer un peu. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Nous, on est de la famille. Bonjour. Vous êtes de la famille? Vous avez appris la nouvelle à quelle heure? Bon, la nouvelle, c'est vers 01h. Vers 01h, qu'il est mort. Et sinon, 15h, il affichait déjà certaines faiblesses. À la maison? Oui, à la maison. Il était sorti. Il est rentré ici à la maison. Et puis. À partir de ce moment-là, il a commencé à fêter certaines faiblesses. Vers 20h, on l'a amené au centre d'internat. C'est là qu'il a rendu. On a dit que c'était un problème de tension. Le médecin, le premier bilan du médecin. Bon, jusqu'à là, on ne sait pas déterminer. Parce qu'on ne sait pas déterminer la cause. On se réserve à toute supputation. Vous savez que. C'est un juge de la République. Il est mort comme un militaire au front. Donc, les causes de sa mort doivent être révélées par les autorités judiciaires. Donc, voilà. Il avait quel âge? L'âge, c'est 50 quelques. Mais sinon, il est de 68, je ne sais pas. 52 ans. Ah, 52 ans. Père de 3 enfants, voilà, il a laissé une veuve. Il n'a aussi rien dit de tel. Ouais. Oui. Non, on est de la. Ça, c'est juste. Les préliminaires. Non, juste ce qu'il. Ouais. C'est ce qu'on a donné à Bossolo qu'on donne ici. Donc, il n'y a pas d'autres informations. Juste, on prend les ouais, beaucoup d'émotions. Ouais. C'est ce qu'on a donné à Bossolo. Donc, on ne va pas au-delà. Au-delà de l'information, la famille va se concerter et puis donner une information officielle. Non. Non. C'est un sujet tellement sensible que nous-mêmes, journalistes, nous n'aimerions pas être exposés. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que nous dirons, oui. Tout ce que je dirais à un certain moment, même journaliste, on prend beaucoup de réserves. Sinon, c'est un juge de la République, il est dans un procès aussi sensible. Et donc, on ne peut pas s'amuser de raconter n'importe quoi. Ça pourra se retourner contre nous. On y va vraiment avec beaucoup de réserves. Voilà. C'est ça. C'est aussi notre responsabilité. Moi, je l'avais appelé pour avoir l'autorisation de filmer le procès. Et c'était acté. Mais bon. C'est un de mes frères avocats qui m'avait donné ses contacts. Je l'ai appelé et mon frère l'a aussi appelé. Et voilà. Ouais. Ah, vous êtes professionnel? Non, elle, vous savez. C'est comme ça qu'on n'a pas hésité de vous faire entrer. Sinon, il y a d'autres qui viennent ici, ils n'ont pas accès. Vous voyez que j'ai le masque, Rachel Kitita. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci de nous faire confiance. Merci.
Libanda, policier, tu es au limite. Tu ne vas pas sortir là où il y a des policiers, commencer à les filmer. Donc, au gangabiso. Donc, awa, soit tu es au bimi, au kéimba, la mokon, soit au kéboye, soit au kéboye. Ou au côté de la pangwana, tu demandes à ce que vous filmez. Mais na katika tu vas au bimabiso. Policier, moi, j'en ai bien, bien. Elle a une petite chemise. Bon. Ça y est, côté de la mais, on barre bisou. C'est-à-dire, on boute le son matos. On a vu l'essentiel. Nous sommes au domicile du juge Yanni. Au domicile du juge Yanni. Allô? S'il vous plaît, je pourrais avoir vos coordonnées si possible. Je vais me noter dans mon téléphone ici. Je ne pourrai pas entrer dans la maison, malheureusement. À la maison, non, hein? Crier là. Ouais. Est-ce que c'est possible d'entrer dans la maison? Je ne pense pas qu'on peut vous empêcher. Pardon? Je ne pense pas qu'on peut vous empêcher. Pour l'instant, non. Ah, même les autres ne sont pas entrés. C'est là interdit. Allô, maître. Bonjour, maître. Voilà. Allô? Je suis chez Lévi, moi je peux parler. Je suis chez Lévi à Bandel, je suis quitté de chez moi. Là. Or hier, il m'a dit que j'ai même audiencé demain. Maître Lambert Tchoukou. Je vous appelle. Comment Yannou, donc je suis là, attendez un peu que j'ai un peu d'informations. C'est quand même une grande perte. Très grande perte. Il y a une école d'audience. Donc vendredi, non seulement je dis passer à la minute d'audience sur vendredi, audience sur vendredi, je dis le samedi, je suis en demi prononcé. Maintenant il m'appelle, on y va? Oui. Ok. Monsieur Lambert.
On y va. Merci Oui, oui. Bien votre travail. Oui, merci beaucoup. Tu veux entrer quoi? Non, moi je voulais juste prendre. On m'a dit que c'est impossible de prendre madame. Non, non, elle est sous émotion. Ibanda, hein? Ici, Kakuna. Non, non, il peut prendre. Tout le monde va rentrer dans le quartier. Ok. C'est bon. Toi, tu n'as pas ta carte. Va prendre ta carte, non? Va prendre ta carte. Va même la carte de service. La carte de service. Il faut toujours avoir ça. Carte de service, c'est le quoi, ni papa ou yolati. Sans ça, on au côté. Surtout quand on se dit être journaliste. Il ne faut jamais oublier ça. Et puis on le connaît. Mais vite, on va dans un quartier. Vous habitez le coin. C'est aussi trop jeune. Il est pas vieux. Vous avez que bengé papa. Papa va camarade de Bino. Ah papa on m'a sabis non. Azaïnde. Azaï bien, Azaï logique. Tout regretté ga liwao. Yo vandiwa. Na pani ga na timas. Yo ka une nouvelle en R. Non, on va 22h, bon, mais ma yéba qui est hôpital. Eh, ça y est, mon malaise, mon bouillard. Bon, qui est ça poison. On a battu pas au balo. Battu pas au balo, bon. Bata balabala. Mais est-ce qu'il va bien avec ambulance? C'est vrai que je vois. Tu es bon. 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 Mais elle m'a bien. Salut, ma casse, mon tunnel. Bonjour. Bonjour. Ah, qui est là, 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 Tantino na vanda kawa, wala tinoa.
Azana. On y va? Merci. Donc là, vous avez vu, nous étions à la résidence du juge Giovanni Raphaël. On a fait ce qu'on pouvait. Il y en a tout la mer, ce qu'on le bas. Mère à qui, ouais. Mère, hein. Mère Bonnie. Pourquoi c'est l'absence moi témoignage, hein. Il y a papa à Koufi. Ça, témoignage à papa. Eh. Ma. Mais le bien est eu. Mère Bonnie. Mère Bonnie. Au 7 mois. Mais dans 7 mois, aux Akio, on a déjà papa Raphaël. Azaki voisin, moi, quoi, modèle. Oh, quitte au Makassi. Azaki, pena bien, un an sous l'an, va tout bien. Très logique. Makassi. Qui très logique, Makassi, vraiment. Donc, Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse ici, chez le juge Yanni Raphaël. Les voisins qui témoignent d'un monsieur très logique, d'un monsieur gentil, mais très très logique, avec une forte personnalité. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas spéculer, sinon de vous induire en erreur. Sinon que de raconter des mensonges. Pour l'instant, tout ce que l'on sait, il est décédé. De quoi exactement? C'est les médecins qui peuvent le dire. On attendra le bilan officiel qui sera dressé par des médecins. Et si journalistes, nous entrons en possession, en contact avec ce bilan de santé du juge Yanni qui est décédé cette nuit, nous pourrons le dire. Mais pour l'instant, moi personnellement, je me préserve de tout commentaire quant à ce. On me dit qu'il a fait une crise, c'est ce que nous apprenons. Le plus important, c'est ça. De quoi? Alors, attendons que les médecins nous le disent. Moi, je ne spécule pas. Attention, c'est une personne qui vient de nous quitter, un juge de la République, dans un procès aussi sensible. Alors, il ne faudrait pas mélanger des choses. Et ça, moi, je l'évite personnellement. Ça ne sera pas responsable du tout. Vandinaye. Tolobite koye bisabiso tolinka ou pe sabiso moi témoignage moqué. Papa Koufi, yo za voisinaye, il y a depuis combien de temps? Depuis bana bakota. Ba combien de mboula so koko se rappelle? 3 ans, 5 ans, 6 ans. Maman, bête la combien? Ba ou minute. Ba ou minute. Mais là, il a 2 ans, il a 3 ans. Bah, il y a moi, on a un bébé. Mais tu vois, ça va 10 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, combien de 10 ans? Moi, 11 ans. Moi, je suis un oh, il y a mon nénu. Moi, je suis un bébé à 4. Il y a deuxième. La cause, on a 11 ans, 10 ans. Vos enfants, on a bien dans la très bien. Oui, papa a qui logique, hein, papa a logique. Logique, mais nous avons bimi qui a qui a zone à côté d'un d'abord.
Est-ce que vous avez un problème dans le quartier, mon air mon copain a aidé. Je vous rassure mon accueil à qui je vous l'oublie. Oh, nous venons attendre. Ok. Et bien, 11h à Bimaki. Il y a beaucoup de monde. Les chauffeurs. Donc, l'oublie à Bimaki. À Bimaki, 11h. Mmh. Après, on a 23h. La Bimaki sous son âge. Je suis au Vandaka. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des voiture. Il y a des voitures. Il y a des voitures. Okay. 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 Okay.